pour 10 francs, je te fais passer en Angleterre. C'est pas des cracks que je te raconte. Je suis un pro. Allez, 10 francs, c'est pas la manche à boire. Allez, suis-moi. Oh bordel. T'es pas syrien? Oh, attention, j'ai fait du crève maga. Je vais te péter ta gueule façon israélienne, moi. Je te vois venir, toi. Tu crois que je vais faire passer des rouquins en Angleterre? Ils en ont déjà assez comme ça. Hein? Tu vas voir, toi. Et les gars, il veut passer en Angleterre. On va lui refaire les dents pour qu'il s'acclimate mieux. Chopez-le, tiens, putain, pute. Chopez-le, allez. Ouais, on va le casser sa gueule. Enculé, il va essayer de nous avoir comme ça. C'est les gens comme toi qui font du mal au métier de passeur. Pop, pop, là, allez, dégagez, bande de glutoniques. Allez, circulez, faites de l'air. Allez, oust. Oh, ça va, pépère? Oh non, pas vous. Wow. Putain, putain, putain. Putain, 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 putain. Ça serait pas notre balance? Alors, on n'arrive pas à s'intégrer chez les passeurs? C'est pas moi. Ils ont dit que j'étais trop roux. Tu sais ce que ça veut dire dans ce cas-là? Il faut retourner en formation. Il faut la démonter, cette filière. Sinon demain, c'est camion frigorifique sur camion frigorifique. Alors, on a été un vilain garçon? On s'est fait débusquer par les vilains passeurs? J'ai pourtant fait de mon mieux. Se balader en costume et se laver, c'est ça votre maximum? Maintenant, baisse ton falzard que je puisse t'injecter une bonne grosse dose de droit de l'homme. Ya, comme ça. Doucement. Voilà. C'est censé aider à résoudre le problème des migrants? Ça dépend. Des remarques? Je vous crois. Si avec ça on peut sauver l'Europe... C'est horrible. C'est lourd. J'en ai pas d'autre après, hein. Oh putain, arrêtez ça. Non. Comme vous pouvez le constater, le sujet est révulsé par l'ampleur de cette grosse merde cinématographique. C'est la toute nouvelle formation. Ça les rend dingues. Faudrait pas montrer ça à des gens sains d'esprit, c'est malsain pour la santé mentale. Imaginez un peu que des gosses tombent dessus. N'est-ce pas, Natacha? Non mais il faut le dire, c'est vrai, ça rend con. Si bien que trop de visionnage peut conduire à des accès de rage, ou de violence. Et on lui pèlera le genre comme au bailli du Limousin, qu'on a fendu un beau matin, a fendu avec ses tripes. Thank you.
c'était pas mal, ouais. Oh, merci ouais, les gars, ouais, ça fait chaud au cœur. Ah, vous l'avez vu aussi, les gars, oh, ce film est génial, surtout le 3. Vous trouvez pas? T'as pas aimé la performance des acteurs, c'est ça? Moi, je l'ai trouvé très convaincante. Surtout Clavier, quel jeu! Ouais? Eh ben, moi, je peux pas le voir, Christian Clavier. C'est une honte, cet homme est une fierté nationale avec les bronzés, Troyes ou encore Napoléon. Oh, il m'a même arraché une larme dans le film La soif de l'or.